Mieux qu'une quad est une nouvelle, c'est la nouveauté 2018 du PAL. C'est une très belle et très exceptionnelle attraction puisqu'elle est unique en France et qu'il n'en existe que 3 exemplaires dans le monde. C'est un grand 8 d'un mode un peu différent de ce qu'on peut avoir l'habitude d'avoir. On est à bord de quad, on est dans un environnement d'abord thématisé sur le nord du Canada, donc en pleine nature, avec des galeries de mines, on est dans une vieille compagnie minière. Et puis on est sur des quads et on part pour une folle randonnée, donc on est propulsé à près de 90 km/h sur un parcours d'un kilomètre de long. On n'est pas dans une voiture, on est sur son quad, au guidon de son quad, ce qui donne des sensations très différentes et très exceptionnelles. Et on sait que par rapport à la clientèle du parc, qui est une clientèle familiale, et par rapport à notre volonté d'enrichir en permanence l'expérience visiteur, cette attraction va parfaitement répondre à toutes nos attentes. La rentabilité du PAL nous permet de réinvestir chaque année entre 20 et 30% de notre chiffre d'affaires et même cette année près de 50%. Donc effectivement, chaque investissement nous permet de fidéliser nos clients qui reviennent année après année, depuis parfois plusieurs générations. Et puis nous permet de séduire de nouveaux visiteurs hein, qui viennent de plus en plus loin. Et c'est ce qui nous permet d'assurer l'augmentation de la fréquentation. Cette année, nous espérons atteindre à peu près le niveau de 650 000 visiteurs.